Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au gameplay de Panda. Alors, je fais quelques parties avec cette configuration, c'est-à-dire un invocateur plutôt qu'une épée. Normalement, on est censé jouer le deck comme ça. Aujourd'hui, j'ai préféré jouer invocateur parce que c'est la semaine forêt et surtout que ça permet de faire des gros tiers, un max de fusion. Sachant que dans le deck, enfin pour les équipements de héros plutôt, j'ai débloqué l'amulette de fusion plutôt que l'amulette, je crois que c'est de puissance que ça s'appelle, le truc qui. Elle est passée où? Je suis bigleux, ça va. Voilà, plutôt que l'amulette magique qui augmente les dégâts des cases. C'est-à-dire que là. Quand un panda pop, il a 39% plus 2%, donc il doit être à 41 et quelques de dégâts en plus. Ici, on monte beaucoup plus haut, on va monter à 86% de dégâts en plus. Et en fait, ça change toute la physionomie de la game. Et j'arrive à faire des scores bien plus haut. C'est-à-dire, alors, mes adversaires avaient perdu, mais je suis monté jusqu'à 6 milliards sans problème avec cette config-là. Et pour accentuer les dégâts, on va jouer Gadget plutôt que Sirène, sachant que Gadget étant passé niveau 10, maintenant tout ce qui sera sur une tuile aura 2% de chance de dégâts critiques en plus, avec 15% de vitesse d'attaque. Donc ça commence à faire pas mal. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Et on va s'amuser, on va regarder un petit peu. Donc, bon, je vais pas commenter tous les combats, je vais les mettre en accéléré. L'idée, c'est, on va chercher des gros. Enfin, dans la séquence de jeu, le plan va être, on identifie les cases qu'on veut, les cases de l'amulette. Sur ces cases-là, on va essayer de faire des fusions, donc soit des sorcières. Des invocateurs. Dans un premier temps, on va peut-être essayer de chercher des invoques avec les harlequins. On va prendre des petits. On va essayer de pas perdre d'unité sur les oracles. Donc là, alors, moi je le joue invocateur. Avec un oracle, ça veut dire qu'en fait, il va invoquer une autre unité, en fait. Donc, idéalement, on fusionne un invocateur normal avec un oracle, et pas deux oracles ensemble, parce que ça ne va faire que plus un. Ça va donner, en fait, beaucoup plus de petites unités à fusionner. Et c'est encore plus drôle à jouer. Voilà. Moi, j'aime bien le jouer comme ça. Et donc, dans la séquence, on max l'amulette. D'accord, avec les petites fusions. Donc ça va faire up aussi le compteur de sorcière. Ça va faire up le compteur de dryade. Quand on a un peu de mana en rab, on essaye d'envoyer comment ça s'appelle? Des power up sur la dryade. Donc le power up, on ne l'envoie a priori que si on a deux dryades sur le boss. Ça en fait. Parce qu'en fait, avec up et ce temps-là, donc ça file. Une fée à une dryade et il y a une chance sur deux globalement que ça file une fée en plus. Donc ça serait dommage de perdre 2% et demi de dégâts supplémentaires. Et puis ensuite, on va essayer de placer tranquillement les pandas sur les cases de l'amulette. Et on va essayer de leur coller des sorcières à côté pour bénéficier du buff. Quand le plan se déroule sans accroc, ça fait très mal. Alors après. Ce deck n'a clairement pas besoin de gadgets. En tout cas, vu la semaine que c'est, là il y a 12% de dégâts critiques en plus. Enfin, de chances de dégâts critiques en plus, avec la bénédiction. Donc en fait, c'est pour ça que c'est assez débile. C'est assez débile à jouer comme ça. Jouer une épée, ça va augmenter les dégâts, mais il faut arriver à stack. Et du coup, c'est peut-être. Beaucoup plus difficile d'arriver à stack 10 fois une épée sur un panda pour le rendre vraiment vraiment débile en fait. Voilà. Bon, ça n'engage que moi, mais c'est la manière dont j'ai envie de le jouer, dont j'ai envie de vous le montrer aujourd'hui. Je reviendrai avec d'autres vidéos de panda et là je vais vous passer les combats maintenant.
left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.